Dans l'actualité, le déplacement du président de la République en Mauritanie, Abdelmadjid Tebboune, prend part à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Nous joindrons notre envoyé spécial. Mise en œuvre des orientations du chef de l'État, une commission nationale a été installée en vue de trouver des solutions aux dysfonctionnements constatés dans la filière viande rouge. Des plans visant à déstabiliser l'Algérie, des témoignages viennent confirmer ces velléités. Une émission spéciale vous sera proposée à 13h sur nos ondes. Dernier développement en Syrie avec des tractations en cours en vue d'asseoir une transition après le départ d'El-Assad. Pendant ce temps, l'armée israélienne avance sur Damas. Violation par le Maroc des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés. Cette situation est sous les projecteurs à l'occasion d'une rencontre au Parlement européen. Disparition de l'ancien sélectionneur de football Mahieddine Khalef. Il s'éteint à l'âge de 80 ans. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participe à Nouakchott à la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. La conférence qui vient donc de débuter. Les réformes des systèmes éducatifs en Afrique seront débattues à l'occasion. Alim Boukhari est l'envoyé spécial de la Radio Nationale en Mauritanie. Près de 30 personnalités, dont des chefs d'État africains, mais également des délégations représentant 26 pays du continent, sont réunis ici autour d'un thème ambitieux, celui de préparer l'Afrique du 21e siècle, une Afrique forte de sa jeunesse, appelée à relever les défis de l'éducation. Objectif derrière un tel rendez-vous, échanger avec les différents partenaires internationaux présents à cette conférence, dont l'UNICEF, qui pour rappel parraine ce rendez-vous. C'est donc principalement une tribune d'échange d'expertise entre participants autour de thèmes liés à la formation, à l'emploi, la manière avec laquelle on pourra répondre aux métiers de demain. Plus de 100 interventions sont d'ailleurs prévues aujourd'hui selon les organisateurs. L'Algérie est, je le disais, représentée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, accompagné dans son déplacement à Nouakchott par une délégation ministérielle composée notamment du ministre de l'Éducation, celui de la Jeunesse ou encore le ministre de l'Enseignement supérieur. L'Algérie qui met aujourd'hui les grands défis de l'Afrique au cœur de ses préoccupations. De la capitale Nouakchott, Alim Boukhari pour la radio algérienne. Donc pour la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, une conférence à laquelle participe le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et sur laquelle nous reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Conformément aux orientations du président de la République et partant du constat fait concernant la filière viande rouge, le ministre de l'Agriculture annonçait ce matin depuis Boumerdès la mise en place d'une commission nationale qui aura pour but de remédier aux dysfonctionnements relevés. On écoute Youssef. Installation d'une commission nationale pour soutenir la production des viandes rouges, et cela grâce à la feuille de route tracée par le chef de l'État, en relançant l'élevage bovin qui alimentera le marché national et arriver à abandonner définitivement l'importation des viandes. Et auparavant, il y a eu hier d'ailleurs l'installation de la commission nationale en charge du dossier du foncier agricole. Sa mission consiste à élaborer une feuille de route pour l'assainissement de tous les cas en suspens pour régulariser la situation des investisseurs effectifs. L'établissement central de construction relevant du ministère de la Défense ouvre ses portes au grand public. L'objectif est de faire connaître ce domaine de l'industrie militaire qui contribue à consolider l'économie nationale. Créé en 1980, l'établissement central de construction contribue fortement à l'évolution de l'écosystème national à travers la production de matériaux de construction, la réalisation d'ouvrages d'infrastructures et offre des formations dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Général Kharoubi Djelloul, directeur général de l'établissement central de construction. وإنتاج مختلف مواد الحصى الموجهة لمشاريع المؤسسة وكذلك التكوين في اختصاص مجال البناء وكذا التسويق للمنتجات المسجلة ضمن نشاطاتها
كما تساهم المؤسسة أيضا في مهمة تأمين الحدود البرية للبلاد من خلال دعم وإسناد وحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة عبر الحدود وذلك بتلبية احتياجات الوحدات من مختلف المنشآت. La manifestation offre au public l'opportunité de prendre connaissance de l'établissement et son rôle dans la relance du développement national. جينا نزيتو المؤسسة العسكرية للبناء ليشالي ونشوفوا واش عندهم واش كاين واش ما كاينش ولا باب مفتوح رحبوا بينا. تظاهرة مليحة فيها كيفاش يخدموا ماتيريال لي زونغار كيفاش يبنيوهم لي ماشين تاع لي شونتي الكبار لي غريل لي كابين تاني لا شومبر فرواد فيزيتيناهم ومازال نزيدو نشوفوا الاخر الباقي. L'apport de l'industrie militaire à l'économie est important. Elle œuvre à booster la production nationale et participe activement au développement du tissu industriel. Les services de sécurité ont réussi à déjouer un complot fomenté contre l'Algérie par les services de renseignement français. Ces derniers ont enrôlé un jeune Algérien issu de l'émigration. Il avait pour mission de recruter de potentiels terroristes pour nuire à la sécurité du pays. Islam Mohamed Amin est passé aux aveux. Je vous propose d'en écouter un extrait diffusé hier sur la télévision nationale. تعرفت على واحد الانسان سوري الجنسيه وكما قال لي هو تابع لتنظيم داعش هبط عنده بالبوس وصلت لأورفا بعد مباشره دخلني سوريا داونا المعسكر يعلموك فيها كاك شغل امور دينيه الفقه كي وصلنا للعراق الصحراء تاع العراق تاع الموصل وكاع دخلنا المعسكر دربت تما شاركت بعض الاعمال معاهم مثل الفلوجه قالوا لي بلي احنا نكشفوا لك على المخطط تاعنا اللي انا باغي ندير في الجزائر وما نجحناش بالعراق يعني انا نخدم مع المخابرات الفرنسيه يعني عنصر المخابرات الفرنسيه دخل لكم السلاح والذخيره والمتفجره بغاو يعني ندخلوا في فوضى وندخلوا في حرب اهليه ولا حاجه كيما هكذا باسم الارهاب وقال بان باللي الجزائر راهي قال عيني الناس كاين بزاف اعداء راهم ترسلوا للبلاد. Vous pourrez suivre une émission spéciale à partir de 13h sur cette tentative de déstabiliser l'Algérie. Ça sera présenté par Walid Selman. Le trafic routier s'améliore après les chutes de neige enregistrées ces dernières heures, notamment au niveau des wilayas de Tizi Ouzou et Bouera. La gendarmerie nationale qui informe les automobilistes que les routes qui étaient fermées hier à la circulation suite aux accumulations de neige sont réouvertes. À l'exception de l'axe Tijda-Bjloul qui reste encore fermé au trafic pour le moment. Les élections sont la seule solution à la situation actuelle en Libye. Le chef du gouvernement d'unité nationale l'a souligné lors d'une réunion tenue avec le président congolais, président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Rencontre au Parlement européen, une rencontre qui axe sur les derniers développements de la question sahraoui. Plus de détails dans cette correspondance de Habib Ben Safi. Les participants, eurodéputés et juristes internationaux, ont axé leur discussion sur les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui a débouté le Conseil et la Commission européenne sur la question des accords agricoles et de pêche, explicitant clairement que le territoire du Sahara occidental est un territoire distinct du Maroc et que tout accord de l'occupant marocain avec l'Union européenne est caduque et non avenu. Durant le débat, Mme Inès Miranda Navarro, de l'Association des juristes internationaux, a expliqué que l'Espagne est l'autorité administrative concernant le Sahara occidental et que donc, par conséquent, l'Espagne a une responsabilité sur la question sahraoui tant que le référendum n'a pas eu lieu. Elle a recommandé pour les partis politiques espagnols de réorienter la politique du gouvernement espagnol, insistant sur le fait que le peuple sahraoui doit décider de son avenir et l'outil principal est le référendum. Madame Fatma Mehdi, secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouis, ministre de la coopération de la République arabe sahraoui démocratique, a longuement parlé sur les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne qui donnent raison aux demandes du Front Polisario. Pour Radio Algérie, Habib Ben Safi, Bruxelles. Et le Maroc qui continue donc à saigner les richesses sahraouies, c'est ce que souligne Gianfranco Fattorini, membre de l'Association internationale des juristes. Il est contacté par la Béa Slimani. Et aux parlementaires et aux membres de la Commission, voire même chefs d'État, des membres de l'Union européenne, ce que la Cour a dit, ce que le droit a dit. Effectivement, le Maroc ne peut pas négocier des contrats d'exploitation sur les richesses du Sahara occidental, territoire non autonome sur lequel il n'a aucune souveraineté. Donc il appartient maintenant aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne elle-même de respecter la décision de la Cour. Cette conférence arrive à un moment idéal, compte tenu aussi du fait que, dans un peu plus qu'un mois, il y aura un changement notable à la tête des États-Unis d'Amérique. Et on sait quelle a été la position de Donald Trump vis-à-vis de la question du Sahara occidental lors de son premier mandat.
Et cette grève en cours au Maroc, un débrayage qui intervient après l'adoption récemment d'un projet de loi organique qui pourrait mettre fin aux coordinations syndicales. On écoute à ce propos l'analyste Gamel Abina. Au Maroc, pays dirigé par un Premier ministre milliardaire, le principe du libéralisme est absolu. Actuellement, avec les différents mouvements sociaux, des débrayages dans différents corps de métier, justice, enseignement, médecine, on se rend bien compte qu'il y a un problème en termes de droit de manifester puisque l'État tente de réguler ce droit en garantissant un service minimum, ce qui évidemment est très mal vu par les organisations syndicales. Il ne faut jamais oublier que dans un pays où le libéralisme doit régner, le fait d'avoir des syndicats organisés qui provoquent des débrayages récurrents est un problème. Et donc, avec les difficultés que traverse le pays, avec cette inflation galopante, surtout avec les difficultés économiques et l'incapacité pour certains de pouvoir subvenir à leurs besoins, eh bien effectivement, le gouvernement choisit de légiférer en faveur du travail et non pas du droit de grève. Et donc aujourd'hui, le Maroc est un pays qui semble connaître des turbulences économiques assez importantes et qui, pour traverser ces turbulences, préfère passer par la loi en réduisant ce droit légitime de grève des travailleurs. Il est 12h41. Retour au journal avec l'actualité à l'étranger. L'ONU demande l'arrêt des mouvements et des frappes israéliennes en Syrie. Un centre de recherche à Damas relevant du ministère syrien de la Défense a été complètement détruit. Les principaux sites militaires en Syrie également. L'élimination des forces de la marine syrienne commence à être planifiée. L'entité sioniste qui nie avoir envoyé du matériel de guerre vers la capitale syrienne serait-elle en train d'imposer une nouvelle donne, une nouvelle équation dans cette région? L'analyste du politologue Bruno Drouvski est joint par Rabea Slimani. Pour le moment, leur objectif est surtout de détruire tout ce qui reste de la capacité, du potentiel de résistance de l'État syrien, de l'armée syrienne. Mais il est clair aussi qu'ils vont tout faire pour que les nouvelles autorités de Damas soient sous leur pression et en fait face à l'allégeance à la nouvelle donne, c'est-à-dire à la domination des États-Unis et d'Israël ou de l'entité sioniste sur la Syrie. Et plus largement, j'ai bien peur, sur l'ensemble de la région. Bon, ça, c'est leur stratégie. On verra évidemment si les résistances vont se manifester malgré l'affaiblissement très net au cours des dernières journées de l'entité sioniste. Elle va élargir sa présence en Syrie et faire pression, entourer le Liban. L'armée d'occupation qui continue par ailleurs à bombarder la bande de Gaza, répression et agression également en Cisjordanie occupée. Le point avec la journaliste palestinienne Fatan Atourabi, contactée par Karima Benour. Deux Palestiniens sont tombés en martyrs hier à Toubas, au nord de la Cisjordanie, suite au bombardement de leur maison. Les soldats sionistes ont effectué plusieurs opérations d'arrestation, un père et son fils à Qalqilia, 20 personnes à Jenin et 50 autres à El Khalil. Un jeune a été blessé lors des affrontements des Palestiniens avec les forces de l'occupation à Nablus. Et la résistance palestinienne prend plusieurs formes avec le soutien de la population, dont des tirs d'armes à feu, des coups de couteau et les embuscades à l'armée sioniste. D'autre part, le Yémen continue de cibler les bateaux américains. Il s'est avéré que ces derniers se cachaient derrière les navires chinois pour se protéger et ce qui a suscité une vague d'ironie. Donc des violations qui interviennent alors qu'on marque aujourd'hui l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, une journée qui intervient donc durant laquelle une rencontre est organisée par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme à Alger. Les droits de l'homme, une priorité pour l'Algérie qui œuvre à lutter contre les injustices à travers le monde. Le compte-rendu de Sophia Boukercha. L'Algérie s'engage résolument à promouvoir les droits de l'homme et le développement durable. Abdelmadjid Zalani, président du Conseil national des droits de l'homme, met en lumière la vision ambitieuse de l'Algérie qui défend plusieurs principes axés sur la justice et sur la coopération internationale. L'Algérie au Conseil de sécurité, au Conseil des droits de l'homme, s'engage à œuvrer activement pour faire avancer les droits fondamentaux, notamment en défendant le droit des peuples à l'autodétermination, leurs droits civils et politiques, ainsi que leur droit au développement. À long terme, notre ambition est d'établir un dialogue constructif avec les pays partenaires qui nous soutiennent et que nous soutenons en retour afin de poser les bases d'un système économique mondial juste et équitable. Nous visons également à transformer la déclaration sur le droit au développement adoptée en 1986 en un cadre concret et opérationnel. L'objectif ultime est de parvenir à une convention internationale juridiquement contraignante pour tous les États destinée à promouvoir
par une coopération mutuelle entre les nations, particulièrement en faveur des pays faibles et vulnérables, pour leur permettre de progresser. De son côté, le recteur de la mosquée d'Alger, Mohamed Ma'moun El-Qassimi El-Hassani, dénonce la politique de double standard dans le traitement des crises internationales. Les violations des droits de l'homme dans le monde, ainsi que la persistance des crises politiques et des conflits armés ici et là, sont alimentées par une politique de double standard dans le traitement des affaires des nations et des peuples, notamment les peuples sous occupation, à l'exemple le plus frappant d'ailleurs, du peuple palestinien. Parmi ces défis, on note également la montée du discours de haine, en particulier à l'encontre des musulmans, notamment dans les pays occidentaux, ainsi que l'élargissement du fossé économique et social entre les pays du Nord et ceux du Sud. Ces engagements montrent la volonté de l'Algérie de lutter contre les injustices mondiales et de jouer un rôle déterminant dans la construction d'un avenir plus équitable pour tous. Du Centre international des conférences, Sofia Boukercha, Alger Chaîne 3. Et c'est justement pour faire valoir ses droits que le peuple algérien s'était soulevé le 11 décembre 1960, des manifestations qui ont constitué un tournant décisif dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Saïd Anil Khadar, professeur d'histoire à l'université de Tismsilt, ses propos sont recueillis par Ethéa Latoun. Le 11 décembre est décrit comme le Diem bien fou ayant profondément impacté la structure politique et militaire française. Malgré l'arsenal militaire déployé dans les montagnes, les multiples projets militaires et les 59 visites sur le terrain, notamment à Saïda et Relizan, visant à s'assurer de victoires illusoire. Il a finalement compris que la solution réside dans la reconnaissance du droit du peuple algérien à l'autodétermination et dans l'acceptation du Front de Libération Nationale comme unique représentant légitime de l'unité territoriale. Après avoir envisagé des projets de division pour maintenir le contrôle du Sahara, la France s'est vue contrainte d'affronter le FLN sur le terrain des négociations. La résistance à travers le 7e art, le colloque international qui a été ouvert hier, se poursuit donc aujourd'hui à Alger. Ce matin, il a été question de la transmission et de la préservation des archives cinématographiques. Fatah Boumehdi. Lors de son intervention, le chercheur en cinéma Ilyes Boukhamoucha a mis en avant l'importance de la numérisation pour assurer la conservation durable du patrimoine audiovisuel. Je crois que pour préserver la mémoire avec le cinéma, on doit avant tout travailler sur l'archive. Pour travailler sur l'archive dans le cinéma, on doit avant tout numériser tout ce qui est pellicule 35 mm. Parce qu'il y a eu un boom technologique avec la numérisation des films en 35 mm. Pour le boom et le putsch technologique, on doit adhérer à cette technologie à travers tout un projet de numérisation d'anciens films qui contient un archive très important, un archive de la Révolution, un archive de l'Algérie post-révolutionnaire. Et à travers cet archive, on peut aller vers des films qui préservent la mémoire algérienne et qui répond au discours de l'autre vis-à-vis notre patrimoine et notre identité. Préserver, c'est aussi transmettre toute cette mémoire, toute cette matière à la nouvelle génération. Oui, le rôle de la préservation du patrimoine algérien cinématographique est avant tout un rôle de, non seulement de conservation de l'archive à travers sa numérisation, mais pourquoi pas réaliser des films à travers d'archives pour éveiller les consciences, surtout de la jeunesse qui est en train d'être émergée par l'image de l'autre. Cet événement réunit des experts nationaux et internationaux qui abordent également d'autres sujets liés au cinéma et illustrent ainsi la volonté commune de préserver l'héritage cinématographique et de le transmettre aux générations futures. Le monde culturel en deuil, Abdelkader El-Khaldi nous a quittés hier. Il laisse derrière lui un riche patrimoine artistique. L'hommage est signé Salim Brahimi. Abdelkader Khaldi est un nom incontournable de la chanson bédouine de l'ouest du pays. Il s'est forgé un nom suivant une riche carrière que connaît l'artiste et auteur Abdelkader Ben Damesh, qui l'a très bien connu. Il est né à Bouhanifia dans la wilaya de Mascara. Sa famille s'est installée à Mostaganem depuis longtemps. Au départ de sa carrière, c'était son nom Abdelkader Khaldi. Il avait un nom qui ressemblait au grand poète populaire de Mascara qui s'appelle Abdelkader Khaldi. Petit à petit, c'est Abdelkader Khaldi, le
jeune qui se fraye un chemin et qui devient, lui, le chanteur de la chanson bédouine à caractère social, mais aussi moderne. Le Hanou Chabab, à l'époque, était organisé par la radio. C'est en 1975 exactement. Et là, on le découvrait comme ça en tant que chanteur. Il a chanté une Rayah El Bledi, où il a vraiment apparu en tant que grande star. Et à partir de là, il commence à chanter carrément les poèmes de la poésie Mlhoun, tels que Mustafa Ibrahim, tels que Abdelkader Ben Tobdi, quand il a repris Abdelkader Abou Alain, la célèbre, mais lui, il lui a donné le texte entier. Cette lancée lui a permis aussi de connaître le monde de la télévision en tant que film. Le cinéma a commencé à l'intéresser. Voilà, Layak Moualek Lihal, il est âgé de 67 ans et son nom aujourd'hui reste marqué dans l'histoire de la musique algérienne. Abdelkader Khaldi répondait toujours présent à l'appel du public. Il a participé à de grands festivals du pays, à l'instar de Timgad et Djmila, où il s'est essayé également en chant patriotique. Et pour rappel, le président de la République avait adressé hier ses condoléances à la famille et aux proches du défunt. Autre disparition, triste nouvelle dans le monde du sport, Hamza Rahmouni Mahyiddin Khalef s'éteint à l'âge de 80 ans. Tout à fait, triste nouvelle avec le décès ce matin de l'ancien sélectionneur national Mahyiddin Khalef, l'homme aux 12 titres remportés avec le club du cœur, la jeunesse sportive de Kabylie. Mahyiddin Khalef a été également sélectionneur national. Il avait conduit les Verts en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1980, la demi-finale de la CAN 1982 et 1984. Il a été également sur le banc de touche des Verts lors de la victoire historique face à l'Allemagne en Coupe du Monde 1982. Mahyiddin Khalef a donc remporté 12 titres dans sa carrière dans un seul passage, à savoir la JS Kabylie, où il a passé presque la moitié de sa vie. Et au passage, parmi ces 12 titres, on note 2 Coupes d'Afrique des clubs en 1981 et en 2000. Un mot de natation, brièvement. Et oui, le sport, c'est également la natation avec les championnats du monde de natation qui se déroulent à Budapest, en Hongrie. L'entrée en lice ce matin de Amel Mellih a été ratée puisqu'elle a terminé dixième et dernière de sa série, la troisième série du 50 mètres papillon avec un temps de 27 secondes, 57 centièmes. Elle sera engagée également dans la sixième série du 50 mètres papillon. Il y aura également l'entrée en lice aujourd'hui de Jawad Siyoud dans la troisième série du 200 mètres 4 nages à l'occasion de cette première journée des championnats du monde de natation. Merci Hamza, merci à Selma Feguer, Erdouane Siassi qui était à la réalisation de ce 12-13. Mourad était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine au streaming. Dans quelques instants, vous retrouverez Walid Selman pour une émission spéciale. Ça sera à partir de 13h autour de ses invités. Mais pour l'heure, place à la météo avec vous, Karima.